came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be all. C'est fait. J'ai vu deux dauphins en sortant de l'entrée de Cape May. J'ai entendu pouc, je me demande c'est quoi. Là, puis ça, je regarde encore un petit peu plus loin, je regardais, oups, là, je l'ai vu deux sortir. C'est un très bon hommage pour moi parce que j'ai décidé de skipper l'entrée de la Delaware, la baie de Delaware, et de faire directement une traversée en mer jusqu'à Norfolk. Donc, ça va être une traversée en mer peut-être un petit peu plus challenging que l'autre parce que c'est plus long. Fait que c'est, l'autre, ça avait très bien été, c'est juste que c'était la fatigue. J'ai passé quelques jours à Cape May à réparer des systèmes ou à solidifier des choses pour m'assurer que la traversée va encore aller mieux. Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il en était la dernière fois, les choses qui ne marchaient pas, les choses que j'avais à ajuster pour ma traversée. Cette fois-ci, ça va être solo. Je suis sorti en même temps que le voilier Navio. Eux vont à Delaware. Puis moi, ben, je cap vers Norfolk. Ça veut dire que je vais être tout seul pendant après la Delaware. Ça va être spécial, mais je crois que je vais être confiant. Puisque ce qui est le fun aussi, c'est que la première partie de la navigation est de jour. Ça va me permettre de m'acclimater à la traversée de jour. Parce que l'autre fois, j'ai fait noir pratiquement tout quand je suis parti. Fait que là, j'ai le temps de voir les vagues, j'ai le temps de voir comment les choses se font. Puis si j'ai à placer ma voile un peu mieux, c'est plus sécuritaire un peu quand tu vois ce que tu fais. Puis de m'habituer un peu plus à la mer. Je pense que c'est plus ça la chose que j'aime. Puis on va voir. On va pas le faire. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, il y a une place à mi-chemin que je peux rentrer pour ancrer, Ocean City. C'est pas la place idéale, mais c'est une place qu'on peut rentrer en cas de pépin ou si, mettons, je suis trop fatigué, quoi qui se passe, ben je peux rentrer à ce niveau-là. Je suis parti le matin de Old Point Comfort. Je suis arrivé hier, à l'entour de 2h15 de ma traversée. Ça a pris 30,5 heures. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais vers une écluse. Ben oui, je pensais que les écluses étaient terminées, mais je me suis fait informer qu'il y avait une autre écluse. Merci à Patrick Lavigne pour m'informer de cette belle écluse-là. Et merci aussi pour m'avoir aidé pour la navigation côté météo. Il m'a donné un super bon coup de main. Je déborde de Norfolk. Je m'en vais dans le canal. Je m'en fais affranchir ma première écluse. Ça a l'air que l'écluse, elle vaut juste de deux pieds. C'est pas bien grand chose. J'ai essayé d'avoir d'informations, pas grande information. Je suis pas sûr qu'il y ait personne en avant moi qui l'a déjà fait récemment, une couple de jours, puisque avant j'avais peu d'informations de d'autres voiliers québécois. Mais présentement, j'en ai pas.
Je viens de croiser un sous-marin. Il n'y a pas rien plus trippant que ça. Je vois avec les longues vues, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? J'ai une police? Non, c'est la Navy en bateau. Il escortait quelque chose dans le milieu, genre, ça semble une barge, quelque chose. Là, ils ont approché bien proche de moi, puis il y a eu des mitraillettes, puis tout. Ils m'ont envoyé la main, j'ai envoyé la main. Fait que là, j'ai bien vu, c'est mon AIS. Ouais, non, c'est quoi ça? C'est mon transpondeur AIS. J'ai regardé sur l'AIS, c'était marqué Submarine. Je ah ouais, cool. Fait que, il y avait un transpondeur AIS, mais d'après moi, ils doivent le fermer, par exemple, en temps de guerre. Fait que je l'ai filmé, j'espère que ça a bien sorti sa caméra, mais c'était vraiment intéressant. There's a naval vessel protective zone that extends 500 yards in all directions from the submarine. Après deux pieds l'écluse, fait que c'est quand même pas pire. Fait que tu sais, pis il y a quelqu'un qui prend ta ligne pis il l'accroche, parce que si tu débarques, faut te mettre une veste. Fait que moi j'ai mis ma veste d'un coup, pas de ça, hein. Ça a l'air à bien l'aller. Ça a l'air à bien, ben oui. Après ça, il y a un autre pont à faire ouvrir. Après ça, je décide si je reste ou si je m'en vais plus loin. Je décide tantôt. Il y a d'autres bateaux qui rentrent, qu'on attend après eux. C'est relax! J'étais arrivé vraiment à la dernière minute pour m'ancrer. Aucune place pour s'ancrer. Il y avait des spots sur une avionics ici là, qui donnaient là, où s'ancrer. Puis je suis allé voir, les maps sont pas justes. J'ai jamais trouvé le spot que ce qui était indiqué. Il y en a un qui avait l'air pas si pire. Ça marchait pas pendant tout. Fait que le canal est très étroit. L'eau est quand même assez large, mais la profondeur est très étroite. Je me suis ancré sur le bord du canal. Puis c'est sûr que le vent il venait de l'est, fait que le derrière me poussait dans le canal. Il était quand même assez tard, fait que je me dis, bof, il n'y aura pas personne. Ben, à 11h, il y a deux tugboats qui passent. J'ai laissé mon AIS ouvert toute la nuit. Les lumières du pont aussi allumées toute la nuit pour pouvoir qu'on me voit bien. Ben, j'ai pas bougé, tout était correct. À part de ça, juste que j'étais un peu stressé parce que j'étais vraiment dans le canal. Hier matin, bonheur, il y a juste deux, trois bateaux de pêche, des petits bateaux de pêche qui ont zippé passer. Mais c'était juste les deux togs là, qui étaient plus dérangés un peu à voir passer. Je suis seul au monde, pour bien que je me fasse du fun. Il n'y a pas un chat ici dans ce swamp-là. C'est qui le fou qui est ici? Ben c'est moi. Je pense s'il y aurait un apocalypse à la Terre là,
J'aimerais bien ça être sur mon voilier. J'ai l'électricité, j'ai de l'eau, du manger, on peut pêcher. Puis on peut se déplacer par le vent, pas besoin de rien d'autre. C'est, je pense que c'est la bonne méthode. Puis si c'est des zombies, ben, il faudrait qu'ils apprennent à nager et vous venez rentrer sur mon bateau. Dans les films, en tout cas, ils nagent pas les zombies, donc on va être correct ici. C'est parfait. J'ai fini de faire le tour du bateau à l'extérieur. Je me suis assuré que tout était bien fixé, qu'il n'y a rien de lousse, qu'il n'y a rien qui va partir au vent. Je vais peut-être aller plus tard un peu rechecker mon angle si tout va bien aller, mais j'ai tout serré, j'ai gardé mon cordage. Je suis prêt à m'encabaner.